Poštovani dragi prijatelji Kombata, dragi prijatelji Skadarije, poštovani predsjedniče, izuzetno nam je čas što smo po treći put zajedno i kako se kod nas kaže, da se više nikada ne prekine ovo naše glasstvo. Imamo. Alors, est-ce qu'on s'entend? Oui, très bien. Alors, il y a le président de Sanaria. Vous avez bonjour à tous et il est très content que vous vous rencontrez, je pense, peut-être la troisième fois. Et il veut que cette coopération dure longtemps, qu'on ne jamais la rompe. C'était tout ce que vous avez dit sur cette toile. Inače, moje ime Dragan Gurjević. Son nom c'est Dragan Gregorjević. I velika mi je čast da po našem srpskom običaju, a posebno po gostoljublju, mi jedini imamo gostoljublje, svime gostoprimstvo ovdje u Skadarliji, reč prvi dobije predsjednik Republike Moldova. Alors, il est très honneur que par notre coutume, Željno smo čekali, pa da ne gubimo vreme, mikrofon je, gospodine predsjedniče, od sada pa narednih 20, možda malo i više minuta, samo vaš. Alors, on vous a attendu, alors nous sommes très heureux que monsieur président peut avoir maintenant son microphone pour 20 minutes. Ah, ouais. On vous coupe peut-être le plus. Mais peut-être moi. Mais écoutez, je vous salue tous, je suis très heureux d'être avec notre belle délégation qui comprend notre ministre garde-champêtre, notre ministre, alors c'est Bernard Beaufrère ici présent, il peut sauver, voilà, Bernard Beaufrère, garde-champêtre ministre, et quelqu'un qui est déjà levé, donc il peut s'asseoir, c'est notre ministre de la mémoire photographique de la ville de Montmartre, Petit Loup, Frédéric Loup, vous pouvez dire. Predsjednik Republike Montmartre se zahvaljuje i da mu je drago što može da će ima priliku da sa svojom delegacijom bude dali. Tu je ministre de l'agriculture, oui? Non, ministre de la... Garde-champêtre. Là, ça c'est garde-champêtre d'abord. Relève-toi. Garde-champêtre. Le ministre de la mémoire photographique, on l'applaudit. Ministre de la photographie. Voilà. La ministre de l'Agriculture, Marie-France Coquart, mon épouse. La ministre des Belles Lettres, Christine Hédard, très belle femme. Le chef, il va mettre sa veste blanche quand même. Le chef de la Bonne Franquette, qui est un restaurant merveilleux de Montmartre. Hein? Richard. Pour Richard, je vais t'arrêter au blanc, allez. Richard, c'est un grand chef cuisinier, et quelqu'un qui est aussi un autre ambassadeur, hein, c'est Milovan. Milovan, hein, que vous pouvez voir. Koji je u Srpskom kulturnom centru u Parizu, veoma aktivan i veoma zaslužan za, ja sam malo dodala, ono što znam, veoma zaslužan za ovu saradnju koja se obnavlja. Qui est l'architecte de cette belle cérémonie de Montmartre à Skadarlija. Koji je arhitekt ili da kažemo idejni tvorac ove cijele ceremonije vratimljenja Skadarlije i Montmartre. Alors je dois dire que nous sommes tous très impressionnés du merveilleux accueil que nous avez accordé.
Svi su veoma impresionirani predivnom dobrodošlicom koja ih je dočekala od strane svih nas. Et je salue tout particulièrement votre magnifique président de ce beau quartier de Skadarlija. I posebno pozdravlja predsjednika društva Skadarlija. Et je lui dis qu'il n'est pas venu encore sous mon mandat à Montmartre, mais que nous l'attendons de pied ferme. Voilà, venez à Montmartre. Alors, là, vous avez vu que vous avez une très belle exposition que vous avez faite. On a été surpris même par la réalisation de l'exposition photo que vous présentez. Et je vous présente quand même le réalisateur, l'artiste qui a créé ces photos, mais qui s'en fout, qui regarde ailleurs. Hein, c'est, voilà, c'est l'auteur, c'est le grand auteur de ces très belles photos de Montmartre. Bravo! De l'exposition. Oduševljeni su izložbom fotografija koje smo ovdje priredili u Skadarliji, a autor tih fotografija je upravo gospodin koji se sam predstavio. Donc, la République de Montmartre est heureuse de se retrouver ici, dans ce bon pays de Serbie. Republika Montmartre, predstavnici Republike Montmartre su veoma sretni što su imali priliku da se ponovo nađu ovdje u Srbiji i u Skadarliji. Bravo, bravo. Svako dobro. Kad su jednu pitali jednu važnu ličnost, mislim da bi očerčio zašto je zakasnio, on je rekao kasno sam pošao. A nije samo to, u saobraćaju je tako i ja dolazim iz zemlje, oprostite, molim vas. Alors, en préalable, je dois dire que nous avons visité cet après-midi, nous avons découvert quelques quartiers, parce que vous avez une très belle ville, que c'est la première fois qu'il vient, et que nous l'avons découvert avec grand plaisir. Prvi put sam u Beogradu, i moram da kažem da smo danas otkrili mnogo toga i stvarno sam shvatio da je Beograd veoma, veoma lika. Nous sommes allés à votre invitation dans ce quartier des fortifications, je ne connais pas, rappelez-nous le nom exact. Kalemegdan. Des fortifications, et avec une vue extraordinaire sur le Danube et la Sava, qui se rassemblent dans votre belle ville. Donc, nous avons aussi Kalemegdan. I vidjeli smo gdje se Sava uliva u Dunav, gdje su se sreli Dunav i Sava pred vašim lijepim gradom, pred lijepom Srđevom. Mais avant cela, nous avons tenu à déposer un bouquet de fleurs symbolique devant le monument qui célèbre l'amitié de la France, le centenaire de l'amitié très importante de la France avec la Serbie, et nous avons déposé ce bouquet, vous laisse Ce bouquet symbolique, nous avons déposé ce bouquet symbolique devant une plaque qui est là, malgré que le monument soit en réparation, mais nous l'avons... Pre toga smo položili cveće pred spomenikom koji je uličenje prijateljstva, starog i velikog prijateljstva u Srbiji i Francuske, bez obzira što je spomenik u renoviranju, što je prekrive, nema ga, ali smo cveće i pa ostavili. Voilà, et donc nous avons déposé cette gerbe en l'honneur justement de cette amitié qui s'est peut-être un petit peu estompée avec... qui s'est peut-être un petit peu estompée dans les années passées, on peut le regretter, mais pour nous l'amitié doit rester très forte entre la Serbie et la France. Quand on parle de prijateljstvu, moram da kažem da je to prijateljstvo nekako malo se poremetilo u posljednjim vremenima, u posljednjim godinama, ali za nas ono ostaje i ostaće trajno prijateljstvo između Srbije i Francuske. Et ce monument qui est en cours de rénovation montre bien l'attachement des Serbes à cette grande amitié. Et taj spomenik koji se renovira ipak pokazuje vezanost
Serbe prema Francuskoj, prema njenom prijateljstvu. Donc nous sommes rassemblés là et la question qui revient souvent dans les conversations, c'est est-ce que la Serbie est en Europe? Et la question qui se često postavlja, to je ali je Srbija u Evropi? Mais la Serbie, là, il n'y a qu'une seule réponse. L'histoire, la géographie, la Serbie est indiscutablement dans l'Europe. Ali naravno, što se pitanje ne postavlja, jer mi svi znamo da je ne može o tome da se diskutuje, Srbija je u Evropi. Bila i jeste i bit će. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas dans l'Union européenne pour des considérations politiciennes qui lui sont totalement étrangères, znači, qu'elle n'est pas dans l'Europe. Znači, to ne znači da ona nije u Europi zbog tih političkih pitanja koje su nama strana, nama našoj grupi. Alors, je vais vous parler un petit peu maintenant de la République de Montmartre. La République de Montmartre célèbre justement ce Montmartre à Serbia. Elle est née en 1921, à peu près au même moment où il y avait ce traité d'amitié entre la France et la Serbie. Francuska Republika, to se zove Slobodna, Francuska Republika Montmartre, to je znači posebna država u državi, recimo, je osnovana 1921. godine, otprilike istovremeno kad je i spomenik, kad je i pokrenulo to prijateljstvo iz ovih naših zemalja. Et là, elle est née par des grands artistes montmartrois. Certains sont restés dans les mémoires. Jean-Louis Forain, Villette, Nomon et surtout Francisque Poulbeau. Francisque Poulbeau est najpoznatiji, ali ova imena koje citira, naravno nama to nisu poznata baš mnogo i vama, to je bilo početkom 20. veka, su osnovali tu Republiku Montmartre. De l'eau, j'y vais. Votre alcool d'abricot est excellent. Abricot, merci. Donc, donc je parlais de Francisque Poulbeau. On a fait faire des gosses. Alors en 1921, la République de Montmartre naît sur la butte, parce que c'était, je dirais, un quartier pauvre, très pauvre de Paris. Montmartre est bio doma siromašan kvart u Parizu au moment où kada je osnovana Republika Montmartre. Les artistes y venaient, nous avons eu de très grands artistes, Picasso y habitait avant Picasso lui. Picasso est d'accord, j'y vais au tamo, après njega. Utrillo, Van Gogh. Utrillo, Van Gogh. Et beaucoup d'autres. Il venait là parce que c'était pas cher, qu'il pouvait y vivre, et c'est ce qui a fait toute la richesse culturelle et artistique de Montmartre. Naravno, oni su tu dolazili pošto nije bilo skupo da bi mogli lakše da žive, ali to ne znači da oni nisu od Montmartre stvorili bogatstvo jedno, samo Montmartre. Et ces artistes souvent n'avaient même pas l'argent. Oui, ils allaient quand même. Ils buvaient bien, je veux dire. Ils fréquentaient les tavernes. Voilà, on se trouve dans cet esprit-là. Et comme ils avaient assez peu d'argent, il leur arrivait très souvent de payer le tavernier avec des œuvres d'art, avec des tableaux. Kako nisu imali puno novaca, dešavalo se da plate ovome, kako bih rekao, u taverni tome vlasniku, plaćali su svojim umetničkim delom, bilo knjigom, bilo slikom. Et c'est ainsi, par exemple, que Picasso, qui était un client fidèle du Lapin Agile, le célèbre cabaret qui existe toujours, et dont le fils propriétaire est un ministre de la République de Montmartre, le ministre de la Jeunesse, Picasso, le Lapin Agile, a donné pour payer ses notes, il a donné son tableau qui était l'Arlequin. Znači, Picasso je u tom kafana jedna poznata u kojoj sam, budite ću malo, kako vam si govorit ću o sebi, živjela sam tamo, studirala Lapin Agile, to je jedna poznata kafana i u toj taverni, kada peva pevač ili kada govoriš, se vidi Lapin Agile, donc, niko ne aplaudira. Samo ovako prstićima
to se tišina samo ovako, nema galame, nema aplauza, samo ovako, tako da je tišina sve vreme da pevaju pevači. To je Latin, Agir, Amomart. Donc il obtient le tableau de... On est donc venu à poklonio tom vlasniku koji je također član Republike. Qui s'appelait donc Arlequin. L'Arlequin. On se poklonio mes svoju poznatu sliku Arlequin. Et alors le patron qui n'avait peut-être pas l'idée de la valeur de ce tableau l'a bradé. L'a vendu à faible prix. Bon, donc taj vlasnik koji nije shvatio cenu to. Te slike je prodao za malu nisku cenu. Et ce tableau est maintenant une œuvre maîtresse du Metropolitan Museum de New York. Ona se nalazi kod jedne u Metropolitan Museum u New Yorku kod jedne in maîtresse d'une pièce maîtresse. Important. Très important pièce. Principale predstava. Et donc, c'était toute cette vie des artistes qui se poursuit d'ailleurs sur la place du Tertre avec la République de Montmartre. On continue cette action en faveur des artistes. Mais il y avait aussi une autre action qui était menée. Nastavlja se ta ista priča i danas u korist tih taverni, ista priča sa slikarima. C'était aussi un des fondements de la République de Montmartre. C'était l'action en faveur des enfants, parce que les enfants étaient pauvres à l'époque, c'était des familles pauvres de la butte, il n'y avait pas de soins médicaux, qui étaient de sécurité sociale. Donc là, on a Francisque Poulbeau et tous ceux qui étaient avec lui, ont créé un dispensaire pour donner des soins gratuits aux enfants. C'est ce que je brino aux enfants, Francisque Poulbeau, le pesnik, comme nous avons parlé, a créé une bolnice, un dispensaire. Da se brine, nije bilo ni lekara, ni lečenja, tako da su osnovali neku vrstu dispanzera, on kaže, bolnica, recimo, za negovanje deci. Et pour financer cela, il faisait appel à l'argent de ceux qui avaient un petit peu, qui avaient de l'argent, etc. Il faisait des fêtes pour récolter de l'argent. Znači, on je skupljao na neki način novac od ljudi koji su imali ili pozajmljivo od bogatih ljudi, tako je dolazio do novca. Et il faisait notamment, une des choses importantes, c'était chaque année, avec de grands artistes montmartrois, de grands artistes de spectacle, il faisait les Noël des petits Poulbeaux. Hein, alors c'était parfois Moulin Rouge ou Moulin de la Galette. Le Noël des Poulbeaux, la fête du Noël. Također je organizovao za Božić, praznik, za decu, naravno za taj pesnik Poulbeaux. Pour leur offrir des cadeaux, on offrait des cadeaux d'enfants. Et aujourd'hui, près de 100 ans plus tard, nous continuons toutes ces actions. Et danas, près de 100 ans plus tard, nous continuons toute activité. Et danas, et danas. La République de Montmartre a aussi été au cœur de la défense du site de Montmartre. Je dirais, elle était au centre de la préservation de Montmartre. La République de Montmartre est bila također au centre de se održavanja, de se održi Montmartre, sačuvanja njegovog, očuvanja. Et l'exemple le plus marquant à Montmartre de cette action de la République de Montmartre, c'est la ville de Montmartre aujourd'hui. Parce que à la place de la vigne devaient se construire des immeubles. La ville de Paris avait voté la construction d'immeubles sur ce terrain. Et donc, avait voté la construction, et tous les Montmartrois se sont mobilisés avec la République de Montmartre, et le conseil de Paris a finalement renoncé à cette construction. Et naravno, svi su se ujedinili, oni kao i Srbi razjedinjeni, svi su se digli na noge lagano, što bi rekli, i naravno, sprečeno je ta izgradnja na Montmartre. Mais là, à ce moment-là, comme il n'y avait pas de véritable projet, le terrain est resté, je dirais, à l'abandon. Vide.
Vide, Auschwitz. Kako nije bilo projekata baš pravi koje smo mi želeli, taj teren je ostao prazan. Donc il n'y a pas de vigne, mais il y a un peu de vigne quand même. Non, il n'y a pas aucune vigne, attendez, on en est pas là. Nije, još bilo loze, još nije bilo loze. C'est un terrain, c'est un terrain vague, comme on dit en France. Un terrain abandonné. Napušteni teren, recimo prazan teren. Alors, c'est là où, à nouveau, dans l'esprit de la République de Montmartre et en faveur des enfants, que toute la République de Montmartre décide clandestinement de créer un centre en faveur des enfants. Un terrain de jeu. Republika Montmartre, u korist dece, tajno odluči da napravi jedan teren za decu na Montmartre. Ça s'appelle essai, il fait appel à des artisans, à des amis, hein, pour créer des jeux pour les enfants, et les installe sur le terrain, et ça s'appelle le square de la liberté. Znači, obratili su se prijateljima raznim, ljudima koji su htjeli da pomognu, napravili su taj trg za decu koji se zove trg slobode. Et ce square de la liberté est inauguré solennellement, hein, avec de faux policiers pour faire la circulation, de fausses plaques de la ville de Paris, hein, et tout le monde est surpris un petit peu. Nous sommes le 29 juin 1930. Sve su bili njihovi iz sastava Republike Montmartre. I svi su se, tout le monde admiré, vous avez dit. Comment? Tout le monde admiré. Bah oui, tout le monde admiré, les enfants sont emparés de ça pour jouer. Deca su naravno najviše uživala u tom square. Mais vous voyez bien que des jeux pour les enfants qui sont mis là ne peuvent pas durer, il faut les entretenir, ils s'abîment, hein, et deux ou trois ans plus tard, le square ne fonctionne plus bien. Naravno, kao što znamo, sama deca uništavaju pa igrališta, to se kvari povremenom i to je praktično nestalo. Ça n'existe plus. Le square ne fonctionne plus bien. Ne funkcioniše taj trg više tako dobro. Et alors, comme le square ne fonctionne plus bien, nos mêmes artistes de la République de Montmartre, les dirigeants de la République de Montmartre se posent la question, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, ils décident, en 1933, de planter de la vigne. I naravno, umetnici su se pitali šta ćemo sad da radimo s tim trgom i 1930. godine odlučuju da zasade vinovu lozu. Ils plantent de la vigne en 1933. Mais je vous ai dit que c'était des artistes, ils ne sont pas de bons vignerons. Ali to nisu bili pravi vinogradari, naravno, to su bili umetnici koji su se bavili time. Ils ignorent les contraintes de la culture de la vigne. Naravno, nisu poznavali zahteve, potrebe gajenja vinove loze. Et alors, comme ce ne sont pas des bons vignerons, ils se disent quand même on va faire des vendanges en 1934. Ils veulent faire les vendanges en 1934. Donc ils annoncent ça, mais c'est quand même un petit peu difficile parce que il n'y a pas de raisin sur la vigne. Naravno, oni su to želeli da urade, međutim da loza nije rodila, nije bilo roda. Et là, quand même, ils ont beaucoup d'amis. Ils ont un cercle très large d'amis, hein, et ils font appel à leurs amis des Halles de Paris, c'est-à-dire de ceux qui fournissaient les grossistants en fruits et légumes. Znači, imali su oko sebe puno prijatelja i obratili su se naročito u Parizu, to stoje, zovu se Hale. To je u stvari to grosisti, to je jedna velika pijaca pokrivena koja je sad premeštena iz centra grada, ali su se u to vrijeme obratili tim svojim prijateljima koji su radili u tim halama. Et alors, ces amis leur fournissent du raisin. I tako njihovi ti prijatelji iz tih hala njima daju grožđe. Ils leur fournissent du raisin qu'ils vont accrocher la nuit précédant les vendanges en faveur des enfants. Un terrain de jeu. Republika Montmartre, u korist dece, tajno odluči da napravi jedan teren za decu na Montmartre.
ça s'appelle essai, il fait appel à des artisans, à des amis, hein, pour créer des jeux pour les enfants, et les installe sur le terrain, et ça s'appelle le square de la liberté. Znači, obratili su se prijateljima raznim, ljudima koji su htjeli da pomognu, napravili su taj trg za decu koji se zove trg slobode. Et ce square de la liberté est inauguré solennellement, hein, avec de faux policiers pour faire la circulation, de fausses plaques de la ville de Paris, hein, et tout le monde est surpris un petit peu. Nous sommes le 29 juin 1930. Comment? Tout le monde a admiré. Ben oui, tout le monde a admiré, les enfants se sont emparés de ça pour jouer. Mais vous voyez bien que des jeux pour les enfants qui sont mis là ne peuvent pas durer, il faut les entretenir, ils s'abîment, hein, et deux ou trois ans plus tard, et puis la vendange de 1934. Znači, mi smo time, tim trgom koji smo organizirali i ovim berbom, smo konačno spriječili da se tu izgrade, da se izgrade zgrade, recimo. Et alors là, nous sommes passés, comme vous disiez, de la clandestinité à la reconnaissance officielle. Le 1934, la première vendange, et se fait sous l'autorité du président de la République française, Albert Lebrun, et avec deux premiers parrains et marraines, Mistaguet et Fernandez. Znači, oni su En 1934, la première vendange est faite sous la présidence d'Albert Lebrun, président de la République française. Française, ne parlons pas Et avec comme parrain Mistinguet et Fernandez. Voilà, et les vendanges continuent depuis, régulièrement. Vous voyez des photos, vous voyez le petit loup qui est en train de ramasser le raisin, vous voyez de très belles. Et c'est pourquoi, depuis cette date, chaque année, pour les vendanges, ce qu'on appelle le banc des vendanges, c'est-à-dire l'ouverture solennelle de la cueillette du raisin, il y a le discours d'ouverture qui traditionnellement est fait par le président de la République de Montmartre. I svake godine, znači u vreme berbe, sada se predsjednik Republike svake godine održi govor u čast otvaranja berbe grožđa na Montmartre. Alors maintenant, nous arrivons peut-être, après il y a eu la guerre, il y a eu un certain nombre de choses. En même temps, la République de Montmartre a permis à créer ce qu'on a appelé les petits poulbeaux, du nom de Francisque Poulbeau, hein, ces enfants que vous voyez là, avec leur tambour, hein, qui ont eu un moment de gloire, parce que là, quand on a parlé de l'histoire commune de la Serbie et de la France, notamment dans les guerres, hein, les petits poulbeaux, à Pâques 1944, sont descendus les Champs-Élysées, drapeau tricolore en tête, en présence des Allemands, et en jouant la Marseillaise. En 1930? Ah non, 1944. Znači, bio je rat, i tu su sada mali tipul boji koji su po pisicu dobili imena. Oni su imali jednu procesiju kroz Champs-Élysées, da, na Jelisejskim poljima. Et Paris occupé par les Allemands. Paris ne sera libéré que trois mois plus tard. Voilà, donc ça, tout cela fait partie de l'histoire. Et là, maintenant, nous continuons, la République de Montmartre continue ces mêmes actions en faveur des enfants, en faveur, on maintient le Noël des enfants, on fait des manifestations artistiques avec la Biennale des Arts, la Biennale du Livre, qui est organisée sous l'autorité de notre ministre ici présente, hein, notre chère Christine. Hein, voilà. Znači, nastavljamo mape svoje aktivnosti, osim što se bavi decom, programom za decu,
oni također prave bijenale za književnosti, bijenale za literaturu i tu je Kristina, Lev-toi Christine Contouvoir. Voilà, Lev-toi Christine. Ministarka, ministarka slobodno momarka, ona organizuje taj bijenale književnosti i bijenale literature aussi et autres. Et l'autre, la bijenale de peinture, de sculpture et de photographie. Et nous continuons, je dirais, de défendre le site de Montmartre. Et nous avons mené ces dernières années une bataille pour mettre en avant ce qu'on appelle la Cité des Arts, qui est un lieu exceptionnel qui reçoit des artistes du monde entier, notamment des artistes serbes. I mi naravno trudimo se da obranimo i da obranimo taj naš Montmartre koji prima veliki broj prijatelja, slikara iz mnogih zemalja, a posebno znamo da tamo ima puno, puno naših Srba. Et d'ailleurs, nous avons chaque année, ou chaque deux ans, pour la Biennale des Arts, un invité d'honneur, on met en avant un peintre ou un sculpteur qui est particulièrement marquant, et pour la dernière édition, c'était Marco Stupar. Marko Stupar je bio posljednji koji je bio izabran svake druge godine, prave bijenale umjetnosti i odabere se jedan od poznatih slikara da bude gost. Et je dois dire aussi que les artistes serbes sont très présents, les artistes de la place du théâtre. Ponavljam da su slikari, skulptori Srbije veoma, veoma cenjeni i poznati na Montmartre. Donc c'est tout ça, c'est cette histoire de la République de Montmartre qui est commune, on a un certain nombre de valeurs, on a beaucoup de valeurs en commun, et on souhaite, de façon très importante, de façon très déterminée, à ce que l'amitié franco-serbe se resserre, se ressoude, hein, et je crois que ça mérite que nous nous retrouvions tous ensemble. C'est la symbolique que j'ai voulu donner cet après-midi en déposant ce bouquet de fleurs devant la stèle à l'amitié franco-serbe. Symbole toga je što smo mi danas postavili buket cveća na ploči za spomenik posvećen spomeniku francuske zahvalnosti Francuskoj. Merci, vive la Serbie. Vive la Serbie, hvala. Vive Serbia, vive Goma, vive Goma. Vive Goma, vive la Serbie. Vive la France. Paris, Montmartre est le centre de Paris et le centre du monde, comme Saint-Gervais est le centre de la Serbie, en faveur des enfants. Un terrain de jeu. Republika Montmartre, au corps des dèces, est un odluči da napravi jedan teren za decu na Montmartre. Ça s'appelle, il fait appel à des artisans, à des amis, hein, pour créer des jeux pour les enfants, et les installe sur le terrain, et ça s'appelle le square de la liberté. Znači, obratili su se prijateljima raznim, ljudima koji su htjeli da pomognu, napravili su taj trg za decu koji se zove trg slobode. Et ce square de la liberté est inauguré solennellement, hein, avec de faux policiers pour faire la circulation, de fausses plaques de la ville de Paris, hein, et tout le monde est surpris un petit peu, nous sommes le 29 juin 1930. I 1928. juna 1930. godine oni su otvorili taj trg, naravno sa, kako on kaže, lažnim policajcima, sve je bilo to, sve su bili njihovi iz sastava Republike Montmartre. I svi su se, tout le monde admiré, vous avez dit. Comment? Tout le monde admiré. Ben oui, tout le monde admiré, les enfants sont emparés de ça pour jouer. Ali deca su naravno najviše uživala u tom square. Mais vous voyez bien que des jeux pour les enfants qui sont mis là, ne peuvent pas durer, il faut les entretenir, ils s'abîment, hein, et deux ou trois ans plus tard, le square ne fonctionne plus bien. Comme nous le savons, sama deca uništavaju ta igrališta, to se kvari povremeno i to je praktično
Nestor, ça n'existe plus, vous voulez dire. Le square ne fonctionne plus bien. Ne fonctionne plus la poète. Alors je vous fais ce poème. Ja ću vam reći tu poème. Alors j'ai pas comme ça. Non. Ce soir, je vais partir visiter les nuages. Est-ce qu'on traduit ça? Non. Vous comprenez? Ce soir, je vais partir visiter les nuages. Je n'y suis pas encore, mais ça va pas tarder. Je vois déjà des fleurs tout autour des visages. Tous les gens qui sont là commencent à me regarder. Car si je réussis, c'est extraordinaire. Ils ont raison d'attendre, ils ne seront pas déçus. Je sens que je m'arrondis comme une montgolfière. Je vais quitter la terre, on ne me verra plus. J'ai commencé ce matin aux petites aurores. Avec un muscadet derrière les fagots qui glissait comme du velours. D'ailleurs, j'en rêve encore. Et deux, trois petits tirs qui étaient bien rigolos. Vers midi, je montais sur des pompes à bascule. C'est là que j'ai compris que j'allais m'envoler. C'est un travail très dur. Quand t'avances pas, tu recules. L'ivresse est un pays, il faut pas rigoler. Il y a des gens qui picolent sans aucun savoir-faire. Et ben voilà des gens qui s'envoleront jamais, qui cesseront pas de ramper, qui quitteront jamais terre. Alors que moi, je sens que ça va pas tarder. Je vais survoler Paris comme un ange véritable. J'aimerais bien emmener tous mes potes avec moi. Mais comme ils se foutent de moi parce que je monte sur la table, je vais m'envoler tout seul et je les emmènerai pas. Il est 8 heures du soir. V'là 12 heures que je travaille. Je me sens tout léger comme un petit oiseau. Me v'là sur les trottoirs avec les gens qui braillent. Je vais prendre mon élan que je resserai tellement beau que tous ces connards-là en auront plein la vue. Attention, c'est parti. Ah non, c'est pas pour ce soir. Il y a 10 ans que je m'exerce, cette hygiène, peine perdue. J'essaye encore demain, après j'arrête de boire. Là, je vais la faire, je vais faire la contre-cappella. Oui, je vais la refaire, la chanson de la paix, de la butte. Chanson. Au-delà du Saint-Vincent, un poète émue s'aimer l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revu. Cette chanson il composa, espérant que son inconnu, un beau matin printemps l'entendra, quelque part au coin d'une rue. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein cou. La lune trop pâle caresse le bal de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur tes lèvres une odeur de fièvre, de gosse ma nourrie. Et sous tes caresses, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, ma princesse aussi.
sous un ciel sans lune, je pleure à la brume, mon rêve évanoui. Veliko zadovoljstvo imati takvu republiku i takve prijatelje, gospodine predsjedniče, drage moje ministarke i ministri u vladi Republike Lombard. Bog nam je zajednički otac. Monsieur le Président, les ministres de la République libre du Montmartre, c'est un grand plaisir de nous avoir, d'avoir des amis et de vous avoir ici ce soir parmi nous. Et nous nous sommes rencontrés par hasard. C'était la volonté aussi bien de Dieu que de nous-mêmes. Слышали свои судьбы. Nous avons le même destin. Od jednog siromaštva doživjeli smo sjaj. D'une pauvreté, nous avons abouti à une vie splendide. Vi ste nama za primjer, za ugled i dajete nam snagu da od naše Republike Skadarlije napravimo nešto slično kao što ste vi uradili sa vašom predanom Republikom. Nous aimerions suivre votre exemple et de faire de notre Skadarlija quelque chose de semblable de ce que vous avez fait de votre République libre de Montmartre. I upravo ovaj vaš dolazak ne bi se moglo dogoditi da Bog nije čuo u vašim dušama i u vašim srcima želju da to bratstvo se nikad ne ugasi. C'est Dieu qui vous a bien dit et qui a bien voulu que cette fraternité, cette amitié donc continue. Vaš govor nam je to danas i juče i sutra potvrdio. Votre discours depuis hier, aujourd'hui et demain, ça nous confirme ce que je viens de dire. Vi ste imali samo sreću da kad su vas Nemci napustili, da napredujete. Vous avez eu l'honneur, le bonheur, quand les Allemands ont quitté la France, vous avez pu avancer, vous avez fait des progrès. A mi smo tu mnogo bogati, prvo smo morali da sačekamo 500 godina da nas Turci oslobode. Et nous, on était beaucoup plus riches, on a attendu 500 ans pour être libérés des Turcs. A onda posle toga smo imali još nekoliko ratova. Après, on a eu d'autres guerres, première Balkanique, deuxième Balkanique, n'est-ce pas, et puis après, première guerre mondiale, etc. I pravo je čudo da ovo što je sad i ostalo je sačuvano za pokolenja koje će koristiti i vašoj i našoj deci. C'était vraiment un miracle de tout ce qui reste dans notre pays, que ça reste pour que ce soit pour nos enfants, pour notre future génération. Jer nijedan grad koji ima ovakvu kraljicu, kao što je naša četvrt, nije tako nemilosrdno bombardovan i u prvom i u drugom. Kao aucune ville dans le monde n'a pas été aussi fortement bombardée comme on a fait avec Belgrade. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, une ville qui a un quart bohémien, une reine, comme il dit, comme Skadarlija. I kako ste vi nama suđeni da budete prijatelji i da budete uzor. E kom se notre destin, kom se je notre ami, nos ami e votre exemple nous servira pour l'avenir. Tako smo i mi vama za primjer da smo se iz Feniga, kao Felix, iz pepela rodili. Donc nous aussi pour vous, nous pouvons être un exemple, nous sommes levés comme l'oiseau Phoenix du cendre. I sad smo na novom početku. Et nous sommes en un nouveau début, un nouveau commencement. Naše prijateljstvo je počelo mnogo, mnogo ranije, pre 1920. Godine kad ste se vi rodili. Notre amitié a commencé beaucoup avant, même avant 1920. Sad je bio svakog našeg Srbina
koji ima mogućnosti da ode u Francusku, u Pariz, da studira. Et c'était un rêve pour chaque Serbe qui avait les possibilités, comme moi par exemple, d'aller en France, d'aller à Paris et de faire ses études là-bas. D'utiliser les sources de deux cultures, la française, la serbe, la culture serbe. Et nikad vam nismo dolazili prazni ruku, duša i srca, uvijek smo nešto i naše doneli. Nous sommes jamais venus chez vous les mains vides, enfin la lame vide. Chaque fois, nous vous avons apporté quelque chose. Donnelli smo našu tradiciju, veru i veliku ljubav. Nous vous avons apporté notre tradition, notre foi, un grand amour. A mora da podsjetim da je francuski dugo bio zvaničan jezik ne samo kulture, nego diplomatije, znači olimpijade. Je vous rappelle que français était la langue principale, non seulement la culture, mais aussi pour l'olimpiade, pour les olimpiades, diplomatije. Et la diplomatie, surtout, c'était une langue diplomatique. Taj nežan jezik, cette langue tendre, comme dit notre ami, je inspirisao naše tada još uvijek samo studente. A inspiré nos étudiants, l'époque qui n'était qu'étudiants. A kasnije velike gromade kako u kulturnom, književnom, naučnom, istarskom. Ils sont devenus des gromades aussi bien dans la littérature, dans la culture, dans l'art. Prenesu iz vaše prelepe domovine, iz Montmartre ovdje kod nas. Ils ont donc réussi à transmettre tout ce qu'ils ont reçu à Paris, en France, de le transmettre ici à notre peuple, à nos jeunes gens. Oni su željni kočiju gutali vaše umetnike, krali u pozitivnom smislu umetnost, kao sutjež su i napajali se i jedva čekali da se vrate u svoju domovinu i da nešto smišno ovdje napravili. Pendant leur séjour à Paris, en France, à Montmartre, ils ont donc suivi tout ce qu'il y avait comme culture, comme art chez vous, et ils étaient impatients de revenir chez nous pour le transmettre, n'est-ce pas, à nos jeunes, comme je dis tout à l'heure. Mi imamo i isti cilj, ali imamo i slične sudbine kad su u pitanju kulturni biseri cijelog svijeta. Vaš Montmartre nije samo vaš, nego je i svjetski, i naša Skadarija nije samo naša, nego je i svjetska. Votre Montmartre n'est pas seulement votre Montmartre, il est le nôtre aussi, notre Skadarija n'est pas seulement notre Skadarija, elle est la votre également. Žao mi je što često i mi domaćini mešamo pojam. Kad kažemo Skadarija, onda mislimo samo na jednu žilu kucavicu, a to je ova Skadar, spolica čiste, sinus bili kosti. Regretons que quand nous disons Skadarija, nous passons seulement à cette rue, finalement, où il y a beaucoup de monde, et je le regrette. Žalite toga? Žalimo jer moramo da znamo da smo i mi četvrt i da mi imamo 50 ulice koje se ulivaju u ovu glavnu reku koja se zove samo Skadarska ulica. Donc nous avons... Koliko ulica se uliva u Skadarju? Najmanje 50, malo. Au moins 50 rue se entre à Skadarija, je ne sais pas où sont ces rues, mais sve što ste danas vidjeli... Toutes les rues que nous avons vues aujourd'hui, donc ils vont vers la rue Skadarija, c'est-à-dire vers la rue Skadarska. To je upravo delo naših predivnih umjetnika koji su 1830. godine kada je zvanično tada velika sila Turska predala našem vladaru Milošu Obriću. En 1830, donc la Turquie, c'était une première révélation des Turcs, des Serbes contre les Turcs. Ključeve od grada Beograda. Ils ont donné les clés de la ville de Belgrade.
koji je bio sa svega nekih 90.000 stanovnika, bilo samo sekunde. Pre nego što ovde, pošto sam ja zadužen za jedan deo male istorije, ali evo i sadašnosti. Imamo studenta, a sada velikog i naučnika i veliku Srpkinju koja ima domovinu i u Srbiji i u Francuskoj, pa pre nego što ovde sa našim najboljim zetom, ja bih želeo jednu veliku patriotkinju i za srpski rod i za francuski rod da pozovem, da vas lično pozdravi, vas i vašu delegaciju, a ja ću onda biti mnogo kraći sa istorijskim podacima. Bien, je ne vais pas traduire parce que madame parlera français. Pa evo još jednom, pošto smo mi već i recitovali preko štritkiva, mi smo se već iskazali i tako prvo da pozdravimo ove naše divne Francuze, oču, naravno, prvosrpski, pa domaćini smo. A ja se nadam da ćemo mi i sutra doći, jer mislim i sutra je tako smo ovde. Gosti su tu, da bome. Danas je slava, zato idemo, ali ćemo biti sutra. Donc, chers amis... Elle viendra demain aussi, parce qu'aujourd'hui, elle va à Slava. Je vais me traduire moi-même. Elle va se présenter elle-même en français maintenant. Bon, alors, j'étais avant Jésus-Christ et j'étais l'étudiante à Paris. Et voilà, j'ai tout à fait... c'était une mémoire qui apparaît ce soir. D'abord, mon mari est français, de Souche, très fière d'être français à Belgrade, en Serbie. Et soyez très très bienvenus parce que nous sommes vraiment des frères et des sœurs, nous sommes des scientifiques et des artistes, liés à Paris, Belgrade, Paris, Scandalia, Montmartre, c'est pour l'éternité, on sera avec vous demain, mais je voudrais vous dire vraiment de tout mon cœur, merci d'être venu ici, et ça me fait plaisir de voir le revirement de votre amitié et de cet amour qui était à un moment donné vraiment vraiment en crise. Mais les Serbes aiment la France. Les Serbes aiment la France, non seulement depuis la Première Guerre mondiale, mais depuis notre roi Uroš le Premier, qui était marié à Hélène d'Anjou, espérant qu'elle était française, n'est-ce pas? On ne sait pas. Mais c'est une longue, longue tradition. Et vous êtes vraiment ici, bienvenue dans notre côté artistique, dans ce cœur de la Serbie. Tous ces gens-là sont très créatifs. Et j'espère que ça va continuer, que chaque année on aura des festivités avec nos amis français, avec les ministres et Madame la Ministre, Monsieur, Madame la Ministre, Monsieur le Président. Et, peu importe qui est au pouvoir politiquement, nous sommes le vrai pouvoir, parce que la science et l'art, c'est le vrai pouvoir qui fait bouger ce monde. Merci encore une fois. Je vous promets notre journal de la République de Montmartre. Alors, trois fois. Chez nous, on s'approche trois fois. Le Père, l'Esprit et le Fils. Le Fils, c'est le Saint-Esprit. Trikuta. Otac, Sin, Sveti Duh. C'est le Bible Trikuta. Samo trikutak, pošto imamo ministarku za poeziju, Mila je čerka naše velike pesnikine, Mire Aličković. Mila, la fille del gran poetesse qui n'est plus parmi nous, Mila Aličković, la fille de Mila Aličković. Hvala što se sećate, to je bilo pre nove ere, ali mi smo zajedno. Dobro, ne izgledamo baš tako da smo dinosauruši, ali... Igor, ti se te avant nouvelle affaire, pre nove ere, kako se kaže nove era? Avant Jésus-Christ. On a pas l'air, on a vu les dinosaures aujourd'hui, mais on a pas l'air de dinosaures, c'est même. Nismo baš dinosauruši, vidi smo nekale megane danas dinosauruši, ali... Mi sad idemo na slavu, ali sutra ćemo biti s vama. Avant qu'on termine cette cérémonie, je voudrais remettre, Monsieur le Président, une grande médaille de la République de Montmartre. Et je vais vous remettre également le journal de la République de Montmartre. Veliku knjigu.
ovaj novi Montmartre, ali mi smo predstavili za one koji ne znaju, Dragan Gligorijević je predsjednik Republike Skadarlije. Et alors, je vais remettre à tous nos amis qui nous ont aidés sur ce podium, je vais vous remettre une manière que vous allez pouvoir mettre chez vous et pour vous rappeler en permanence ce qu'est la République de Montmartre. Venez, et venez là, puisque vous avez commencé, vous avez contribué largement. Voilà, et je vous remets à chacun le journal de la République de Montmartre. Je vais le traduire, bien sûr. On va nous traduire, vous avez une traductrice extraordinaire dans ce domaine-là. Donc voilà, merci à tous, je vous ai remis ça, et c'est toujours un immense plaisir. Ogromno je zadovoljstvo, vi svi razumete francuski pretpostavljam, ali ja to prevedem, ogromno je zadovoljstvo. On se zaustavi tu dalje. Est-ce qu'il a terminé, mon président? Pour moi, je vais peut-être lui rendre le micro, si vous voulez. Je ne vais pas vous donner le micro. Je vais vous donner le micro, peut-être qu'il y a quelque chose à dire. Da, kako da ne, jer ovdje nisam sam, ovdje imamo još dva divna domaćina, ja ću ih uskoro predstaviti. Kada su se upravo poput ove naše divne dame, naše drage gospođe Aletković, studenti vratili u Dardanelu, to je bilo ovdje pored pozorišta naviše, i kada je ta kafana nestala, rodili su se neki novi objekti, kafane u ovoj tada takozvanoj Cigan Mali, jedno je najsiromašnijih, i prvi objekat je upravo bio tri žira. To pa de formacijom de Skadarlija, donc le premier café qui était formé... Miroslava Stefanovića koji je tu sa nama. Mislim Miroslav Stefanović koji je... I on će pa reći da vam kaže... I na noter du livre, to knjiga se zove Tri žira. Tri žira. Kod? Kod? Še troša po. Na livre sa pen še troša po. A za vaše iznenađenje imamo... Uvezli smo ga iz Crne Gore, ovog dečka mlađeg od mene sa ovako malo sjede kose, 30 godina je bio upravnik i dočekivo državnike, pa ćete čuti prvo koji su to državnici, a onda će naš dragi prijatelj završiti sa tiži šire. Ile venu de Montenegro, e donc ila panan trauta ila travelje ici a Skadarlije, od tiži šire ste radili, tako beše miško, a troša požiške, no? Et il va vous dire quelques mots seulement qui il a reçu, quelle personnalité très connue. Et puis ensuite, il va terminer la soirée, notre ami, l'auteur du livre Côte et Chechira, chez Trois Chapeaux. Et samo da ne odite, a da me čujete, zavolili su me naučnici iz arheologije, iz instituta pri Srpskoj akademiji nauka, da vam kažemo da je ovo područje staro nekoliko hiljada godina. Les savants de l'Académie scientifique serbe, ils ont dit que cette région-là, cette rue-là, est ancienne depuis quelques milliers d'années. Случайно, именно когда я немец Байрони, Байрони, когда я знаю, он je htio da ide da su bogati u Ameriku, ali mu je sestra rekla da je Srbija Amerika i da dođe u Skadarliju. I kada su popali bazene, s obzirom za dobro pivo, traži dobru vodu. Mi inače ovdje u Skadarli ležimo na najkvalitetnijoj vodi koje postoji u Beogradu. La souterraine, l'eau souterraine, selon ce boulot où nous sommes, est l'eau la plus saine, paraît-il, u Beogradu i u Serbiji. I u Beogradu i u Serbiji. I en Serbiji i a Belgrad. I zato je bilo dobro pivo, a nije slučajno da su se ovdje kafeđije naselile. Et donc c'est pour la raison pour laquelle, parce que de l'eau qui est bonne, on fait de la bonne bière. Et ce n'est pas par hasard que les cafés sont venus s'installer ici, à cause de l'eau, pour tes vodes. Pour tes vodes, pour être triste, Chira, d'abord, l'édina, ovaj, sada, tadašnja kafana, il y a dva jelena koji na istom mestu. Aujourd'hui, nous avons mangé à deux serres, dva jelena. C'est donc le même, la même, à côté de Trois Chapeaux, c'est le principal café qui a été construit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est naturellement
da zemljina kugla ima najviše vode, da ljudsko organizam ima najviše vode. Que la terre a le maximum d'eau, que l'organisme de humain a beaucoup d'eau, si également. Voda je privukla prvo vlasnike kafana. L'eau a attiré d'abord les humains. Zato mi danas pijemo vodu. Les propriétaires de ce café, et c'est pour ça que nous buvons cet eau maintenant, mais après on va continuer avec le vin, ne vous inquiétez pas. Beaucoup de poètes, de scientifiques, etc., de peintres, on continue à venir ici. Tako da smo mi u četvrti sreće i dok pijemo vodu, sada sve više na flašama se upravo stikovi pišu ili molitve da bi voda mogla naše ćelije da natopi zdravo. Bon, on commence aussi maintenant sur les bouteilles de faire la poésie, etc., pour que cette eau qu'on boit nous donne de la santé. Pošto vam naši pesnici mnogo ne znače puno, ali ćemo bar par njih nabrojati, to je Jovan Ivanović Zmajić. Evidemment, vous ne pouvez pas connaître nos poètes. Poslić. Mais on va citer seulement quelques-uns. Nušić. Jovan Ivanović Zmajić, c'est un poète qui est plus écrit pour les enfants, Laza Kostić. Đure Jakšić, Učivić, Posada Kuća. Et le plus connu, il est, on était slikari et pisatelj. Le plus connu, c'est Đure Jakšić, dans la maison où nous trouvons actuellement. Et il était aussi bien le peintre que l'écrivain, poète également. I da čujete pored vaših presjednika ko je sve bio na kratko, evo ovdje smo pripremili iznenađenje, ovo su knjige utiska. Ce sont les livres restaurant de l'impression du restaurant. Tu građuje gospodin Miroslav Poljištio za knjigu i sad ćemo da krenemo redom par značajnih imena. Čite se jednom. A uskoro će nam se priključiti vaš predsjednik Macron ako Bog da. Et nous espérons que votre président Macron sera aussi dans ce livre, cahier ou livre, je ne sais pas. C'est cahier, mais c'est livre d'or. Livre d'or. Livre d'or, livre d'or, oui, merci. Dragi prijatelji, da vas pozdravim u ime društva Skadalije i mogu gosti. Chers amis, samo da zapravete, mes chers amis, je vous salue au nom de l'association Skadalija i de nos restaurants. De restaurants i Šešira. Ja nosim ime ovdje žeda, primo legi u časti. Je porte le nom de mon grand-père. Koje su Francuzi spasili tu srpsku vojsku koja je odlazla preko Albanije. Qui était sauvé par les Français, c'est donc les soldats qui ont traversé, qui ont passé par l'Albanie. Za krv, pa dalje za Srbiju. Pour aller à Corfu, et ensuite pour revenir en Serbie. Govore mi je da jedini prijatelji su nam bili Francuzi. Il m'a toujours dit que les Serbes, vrai ami pour nous, les Serbes, c'était les Français. Ja se nadam da će društvo, odnosno Republika Mormatra i Republika Skadalija obnoviti prijateljstvo one koje su naši džedovi imali u to vreme. Eto, ja sam proveo u Skadaliji 30 godina prepodne, 30 godina uveče. Donc j'ai passé à Skadalija, comme il dit, 30 ans le matin, dans la matinée, et 30 ans dans la soirée. Jedan aplauz. Pored gosti, glumaca, novinara i... A côté d'artiste, des journalistes, des... Bilo je puno državnika. Il y a pas mal de politiciens. Predsjednika država, ministra i ostalih poslova. Ministara. Ministra des affaires étrangères. Evo, među njima ću prvo da počnemo od predsjednika Tita koji je čekao novu godinu tri šešira. Le président Tito, par exemple, a... Henry Kissingera. Pour son nouvel an, a tri šešir. Henry Kissinger. Petilio Praxi. Koji godine je tu bilo, pitanje gospodinu? Tito kad je slavio? Tito je bio 75. 75. Il était presque... Avançamo, quelques années avançamo. Il a commencé en 64, le livre d'or. A kad je počeo knjige datira? Pa, knjige su... Knjige. Ima i preove. Quand est-ce que le livre a été commencé? Quand est-ce que la knjiga? Ça, ce sont les livres pendant son
Ce sont les trois livres pendant qu'il travaillait à Skadarlija. Mais à quelle date? Les journalistes, les gens de sport, enfin... Hvala gospodinu Lepiću, a sada, kako to i priliči, ako nešto nije zabeleženo, kao da se nije ni desilo, pre samo par meseci bio je Alen Delon tu, on je političar, ali je bio... Ovde, sada. Da, u Skadarliji, prošle godine. Quelques mois, Alain Delon était venu. Il n'est pas politicien, mais enfin, quand même, Alain Delon est bien connu comme ça. Ali je bio jedan francuski glumac koji je pobegao u Rusiji da ne plaća porez, ima veliku glavu i pokolili smo u šešir. Ah, il était... Pogodite koje? Qui c'est pas? Gérard de... Bravo! Tačan, odgovor! Evo, izvolite bio svoje. Bon, maintenant c'est l'auteur de livre, sauf que je suis là qui va s'adresser. Dobro večer svima. Bonsoir à tout le monde. Kafana Tri šešira. Le café Trois Chapeaux. Prošle godine je odlučila da napravi knjigu o sebi. A décidé l'année dernière de faire un livre sur soi-même. To je jedna od najstarijih kafana u Beogradu i Skadarliji. C'est un des plus anciens cafés, pas seulement en Skadarliji, mais aussi dans tout Belgrade. Traje 154 godine. 154 ans. Vi ste bili sinoć gost. Hier, vous étiez les invités, enfin, des hôtes de la café, des dîners de U ovoj knjizi koja je na srpskom i engleskom. Dans ce livre qui est en français, en serbe, en anglais, je l'ai traduit en français. Nadamo se u drugom izdanju i francuskom. Ja sam upravo rekla, j'espère que ça sera aussi en français. Satkano je mnogo priča. Il y a beaucoup d'histoire, O ljudima, o bohemima. Les gens, les bohèmes. O onima koji su ovde provodili dane i noći. De tous ceux qui ont passé ici des nuits, des jours et des nuits. I koji su kafane skadarlijske smatrali svojom drugom kućom. Et qui considéraient que les cafés de Skadarlija, les restaurants, étaient leur seconde maison. Pošto Jer što u knjizi je, ne bih otkrivo... Je ne voudrais pas vous dire tout ce qui se trouve dans le livre. Ispričat ću samo dve anegdote koje su i u knjizi. Je vais vous raconter deux anecdotes qui se trouvent dans mon livre. Dakle, čuvenog pisa Radoja Domanovića. Radoja Domanović, c'était un écrivain serbe qui était bien un kriticien, si vous voulez. Pita jedan od gostiju u Skadarliji. A sada neko da u Tri šešira. Il était à Trois Chapeaux, c'était écrivain, était à Trois Chapeaux, et quelqu'un, un invité qui était là, lui pose la question. Šta je bolje od pune čaše? Il dit, qu'est-ce qui est meilleur du verre plein, que le verre plein? Kaže, puna flaša. Non, la bouteille pleine. La bouteille pleine, pardon. Ili druga anegdota. Et l'autre anecdote? Čuvenog glumca, čuveni glumac Čiča Ilija Stanojević. Notre grand acteur Čiča Ilija Stanojević, c'est son nom. Obećao je da u naredna tri meseca neće biti. Il avait promis sebi ili drugima? Ovo je obećao. Prijatelj. Il a promis à ses amis que dans les trois mois suivants il ne boira pas une goutte. Naravno, već sutradan ga vide u kafani kako pije. On voit le lendemain dans le café puis il boit. Onda mu prijatelj jedan kaže... Alors, un ami lui dit... Dobro, Čiča, da li je to tvoje obećanje? Alors, qu'est-ce que tu as fait? Ça, ta promesse? A on kaže sledeće... Alors, il dit... Ali ja stojim...
Ja ne sedim u kafane. Mais je suis debout, je ne suis pas assis dans le café. Hvala. Hvala. Merci beaucoup. I za kraj, da nas sireni uhvatimo u divnu vinu i sireni, dužan sam da kažem veliko hvala predsjedniku i njegovoj delegaciji, što su nam dali novu nadu, novu šansu, ako ima nadu ima sve. I da kažem da je, zahvaljujući Monmartru i Francuskoj, mi smo u Srbiji imali prvu operu u Skadarli. Mi smo još prvi, šta? Prvu operu. Ah, la première opéra était donc jouée à Skadarlia. Premier téléphone. Le premier téléphone en Serbie. Chakishir. Même région. Dans la région était à Skadarlia aussi. Imali smo svoje dnevne novine, imali smo svoju reviju. Nous avons eu nos journaux quotidiens et nous avons eu aussi une revue de Skadarlia. A sada ću pogoniti predsjedniku, ja sam, pored toga što sam predsjednik Društva Skadalije i Republike Skadalije, ja sam predsjednik Međunarodnog turističkog saveza. Može su ili prezidant. I mi smo... Hoćete da prevedem? Da. Pa izvinite. Znači, non seulement que je suis le président de l'Union Skadarlija, mais il est président aussi de l'Association Touristique Internationale. Prošle godine proglasili Francusku za najbolju državu Mediterana i Jugoistočne Europe. L'année dernière, nous avons proclamé la France pour le meilleur pays de l'Europe jugoistočna, sud-est. Jedini u svijetu imamo srpske slave, koje su inače zaštićene UNESCO. Nous avons, nous sommes les seuls à avoir, to je srpska. Srpske slave koje su zaštićene u UNESCO. Da, oui, mais on a parlé de slava. Nous avons chaque famille, son sein. Dakle, aucun orthodoxe, aucun autre religion n'a pas. Nous avons... A 22. maja Sveti Nikola i naš i vaš nam je zaštitnik, oni koji putuju. Sveti Nikola, le protecteur de ceux qui voyagent. Nebom, koplom i zemljom. Par le vol, par le ciel, par le terre, par la mer. I zato mi ovu zlatu medalju poklanjamo. Cette médaille d'or, nous faisons cadeau. Da na dugo, dugo godina je nosi. Président, pour qu'il la porte de longues années, de nombreuses années. Neka vas ovo nakrasi i neka vam donese sreću. Que cette médaille vous, non seulement soit décoration, mais qu'elle vous apporte... I još nešto u imenu, samo za predsjednika. Encore quelque chose. Mi imamo hostese, jednu od najlepših na naslovnoj strani. I voilà, un journal aussi, une revue. A koji to hostesa? To je hostesa iz zlatog pokala. C'est une hostesse de notre restaurant qui s'appelle Zlatni Bokal, tout près ici aussi. Inače, ovo je zlato turističko srce, to je turistički Oskar Mediterane i Jugoistočne Europe, a Skadarlija je prošle godine dobila zlatu čašu gostoljublja. Donc, finalement, à la fin, Skadarlija je l'année dernière, le verre d'or de l'amabilité, de gentillesse, de hospitalité, voilà. Merci, hospitalité, c'est ça. Izvolite, a... Sada da se pridružimo, ovdje nas čekaju i šampanjci i čekaju nas još lijepa druženja. Hvala vam veliko, samo uporni ostaju. Ne bi se treći put obratili ili da nismo uporni. Izvolite, imate završno već. Ti nisi bliste. Merci, monsieur le président, je suis très honoré. Hvala, gospodine predsjedniče, veoma sam počastvovan. De cette médaille. De ce beau quartier, de cette association que vous présidez. Et j'attends à Montmartre pour vous faire également, pour vous introniser à la République de Montmartre. Nous ferons une belle cérémonie à Montmartre. Comme vous en avez fait une aussi belle aujourd'hui. Dans votre beau quartier de Skadarlija. Merci, merci. Voyez, vous avez déjà cette médaille, mais nous allons renforcer encore nos liens. Et je dis longue vie
à notre jumelage entre la République de Montmartre et Skadarlija. Donc il sera toujours plus solide, comme l'amitié franco-serbe doit être toujours renforcée. Da prijateljstvo francusko-srpsko bude dalje, stalno se nastavlja da se, da se učvršćuje. Elle a été particulièrement solide et vive avec le temps. Dans le 21e siècle, elle se renforcera encore. Bila je čak u 20. veku, ali će biti još jače u budućnosti. Bravo! Bravo!